Donc nous revoilà pour découvrir le premier épisode bonus, l'épilogue visiblement. Here we go again. Voilà, voilà. Oh oh. Oh oh. Oh putain. Mais c'est pas le temps. Pididi, merci beaucoup Vincent pour le 35e mois de sub. Alan, wake up. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Du coup, on a fini le jeu là, on est sur les épisodes bonus du remastered. Mais du coup ça va être giga chaud. Moi bon, un peu fatigué, c'est un peu vivement le week-end là. On va peut-être pas s'occuper du gros balèze tout de suite. Ah oui non mais d'accord. Oh mais si peu de piles. Si t'as plus de mine, tu fais comment? Ok. Comme ça, il nous reste que le gros. Qui est là. Tellement moi la mode, bah du coup, c'est la première fois que je le termine. Yop. Parce que je l'avais attaqué. Oh là là, il y a bien 10 ans sur PC. Et là, du coup, vu que le 2 est sorti. Ouf. Ok. Bah écoute, c'est le bon moment pour le faire et puis en plus en remastered. Un réveil. Ah, il y a 10 réveils du coup. Et en plus j'ai craqué. Et là il tourne sur une PS5. Le monde était déformé. Ces arbres ne devaient pas être ici. Ah oui, je confirme, oui. Non, j'ai pas toutes les pages, et pour avoir toutes les pages en plus, faut le faire en difficile. En cauchemardesque. Du coup, je l'ai fini en normal. Histoire d'être un peu peinard. Même si je trouve quand même... Je trouve un peu long sur la fin, genre le dernier épisode est eh bien, il n'y a pas de problème. Mais... Putain, mais... Bordel! Mais tu vas esquiver, merde! Je vais rester calme. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le dernier épisode, la fin où du coup faut que tu remontes tout le chemin en bagnole et tout, j'ai trouvé ça vraiment pénible. J'ai pas trouvé ça agréable, hein, pour le coup. Non mais... Putain, mais les esquives, quoi. Please. Mais putain, les esquives, merde! Mais... Ah ouais, non, vraiment, ça tombe un peu dessus et t'es en mode, putain. Mais genre. Putain, tu cours, tu te le prends quand même dans la gueule, quoi. Voilà, merci, cassez-vous, par pitié. C'est fatigant au bout d'un moment. Mais par contre, vraiment, l'écriture, les personnages, rien à dire. Hein, c'est beaucoup, beaucoup trop bien. Déjà, j'avais adoré le personnage de Barry de ma première session. Forcément doublé par Christophe Lemoyne, donc forcément, c'est incroyable. Mais c'est juste que, ouais, la fin, c'est vraiment en mode haute boudette, en mode quoi, mais de dès la suite. Mais ça va, justement, il y a des... visiblement, Lemoyne qui est coincé dans une espèce de monde alternatif. Ah, le 2 est visiblement une tuerie. Hein. Mais avant de faire le 2, j'aimerais me faire contrôle. Le guidage GPS fonctionnait. Je ne m'y attendais pas. Donc j'arrête peut-être pour essayer de trouver contrôle sur PS4. Parce que je crois pas qu'il est sorti sur PS5.
Il y a peut-être la mise à jour gratuite, machin. Du coup, là, on est en 60 FPS sur PS5. Ça, c'est un plaisir. Et la manette PS5 est très agréable. Le GPS n'aurait pas dû fonctionner. Les satellites devaient être hors de portée. Ce ciel n'était pas le nôtre. D'accord. Mais le signal me guidait pourtant vers quelque chose. Vers Zen. Ah, du coup, est-ce que... J'ai pas envie de spoil si jamais tu veux faire contrôle un jour, parce que... Ah, mais putain, mais... Moi, je me suis pas fait spoil, mais c'est juste des trucs que j'ai lui entendu. Donc, tu me dis. Après, c'est pas genre un spoil en mode comment ça se passe et tout, mais... Bah, c'est juste que... Je sais pas ce qu'il y a dans le jeu, mais apparemment, il y a des trucs qui montrent que Control et Alan Wake se passent dans le même univers. Quelque chose venait ah oui, d'accord. De changer. L'entre-noir me jouait des tours. Il ne cessait de changer. Mais par contre, je sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est pas vraiment un spoil, mais... Les deux réels sont toujours aussi cool, hein. Qu'il faut suivre le signal GPS. Oh non. Par contre, le mobilier, j'en ai plein le cul, hein. On s'est fait défoncer par du mobilier pendant toute la game. C'était insupportable. Voilà. Allez, toute la vie perdue d'un coup, parce qu'une bagnole te fonce dessus sans que tu la vois. Ça, c'est un peu chiant, par contre. Une boîte à outils. Ok. Ah, fusil de chasse. Ok, pas mal. Ok. Et bon, pour l'instant, j'ai pas mal de VOD en attente parce que je me suis pas trop occupé des VOD YouTube. Du coup, désolé YouTube, hein, si t'entends ça dans 6 mois. Mon excuse. J'ai pas eu trop le temps de m'en occuper. Et du coup, il y aura du coup l'intégralité de la découverte du jeu sur YouTube. Mais putain, l'esquive ! Oh ! Non mais... J'en esquive un pour manger le deuxième. Des fois, c'est un peu frustrant que tout soit... Non mais vraiment ? L'entre-noir me jouait des tours. Il ne cessait de changer. Mais il va te faire foutre! Cordialement. Du coup, ils vont me sortir du cul, quoi. Mais putain, mais... Pas du tout frustrant. Quelque chose venait encore de changer. L'entre-noir. Oh là là, oh, là, je suis pas d'humeur pour ça ce soir. Ah, tu viens de voir la bande-annonce du remake de MGS3 ? Wow, je trouve ça... Enfin, je trouve ça générique au possible, quoi. Non mais... Putain de bordel de merde. C'est voilà, c'est démo technique sur 20... Euh...
Et limite, j'attends de voir du vrai gameplay, en fait, plutôt que juste Snake qui se balade dans la pampa. C'est vu qu'on a l'air limité en munitions, j'ai pas envie de cramer, genre des fusées de détresse et tout, comme ça, pour que dalle. Putain, mais l'esquive! Ah, c'est chiant, là. Je crevais. Putain, mais... Oh là là! Quelque chose venait encore de changer. L'antre noir me jouait des tours. Il ne sait je suis pas d'humeur pour avoir des phases comme ça de gameplay. Hein. J'ai pas compris pourquoi tout le monde se touche dessus. Franchement, je sais pas. Parce que littéralement, ça a moins de personnalité que l'original. Gros gameplay. On va la fin du jeu avec 15 000 cartouches. Ouais, mais là, vu qu'on a littéralement que dalle, j'ai peut-être balancé mon flair. Histoire que ce soit plus calme. Mais putain, l'esquive qui passe pas, quoi. Mais putain, il y en a encore un. Oh, niquez-vous bien, là. Franchement, niquez-vous. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Tout ce que je voyais m'était familier. Pourtant, oh là là. Bonjour. Je ne peux plus suivre. Vous allez trop loin. Je vais tenter de vous guider. Suivez le signal. J'essaie. Luttez contre vous-même. Suivez... Ah, c'est pas contre moi que je lutte, là. Ouh. C'est bon, il fait jour. Mais du coup, où est le clicker, là? Mais les changements de décor l'en empêchaient. Ah. Je devais continuer. On fait un demi-temps. Je ne survivrai pas seul. Très bien. Et t'avais fait le DLC American's Nightmare? Attends, mais si, mais c'était le bon chemin. Qu'est-ce qu'il raconte? Devenait de plus en plus violent. Oui, bah d'accord, ça va, j'ai vu. C'était évanoui. Comme si une main géante avait ramassé le morceau. J'avais toujours entendu du bien. Régulier, instable. Mais je sais pas ce que ça vaut. Parce que j'ai pas l'impression que ça, ce soit le DLC. Vraiment, bah, main, fallait pas vraiment. Attends, sabre. Ah putain, excellent! J'avais pas tilté! C'est les cartons des personnages du jeu. La vedette de Bright Falls, cette flic impulsive est la plus fine gâchette du coin. Son premier ouvrage, femme flic et écrivain, relate la double vie d'une policière exemplaire faisant son entrée dans une société secrète. Cette femme réussira-t-elle à se faire une place dans un univers macho? C'est une sorte d'épilogue, ouais. Bah, c'est ce que j'ai cru comprendre. Du coup, ça m'a un peu déçu parce que je me suis dit, c'est quand même con dans un remastered d'un jeu du coup qui doit bien avoir 10 ans. Ce remaster est sorti en 2020, quoi. Genre, ils ont pas incorporé le DLC, quoi. C'est bon, on gère. Ah non, mais il y a les corbeaux aussi, putain!
Toi là, toi je t'ai vu là. Putain mais... Non mais... Ah cette agression caractérisée quoi, plein le cul hein. Mais putain mais... Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, oh, on se casse. Putain, et Alan Wake aussi qui a le cardio d'un asthmatique. Cours! Ah merde, il y a les tools là-bas. Putain, mais... Mais... J'ai peuplé ? Oh oui ! Oh la fête. Il y a un autre truc qui est parti par là, je crois, non ? C'est ce qui me semblait. Ok, on a bien fait. Si je me souviens bien, t'es dans le premier cercle de l'enfer en termes de sensations. C'est-à-dire sensation de course ou là où on est ici quoi. Alors que là c'est le début de l'enfer et que ça va venir. Genre on va bouffer pire plus tard. Alan. Où êtes-vous? Écoutez, j'essaie de suivre votre satané signal. L'entonnoir vous joue des tours, vous continuez à vous enfoncer. J'essaie de vous guider mais c'est compliqué. Mais c'est compliqué. Je peux vous aider mais arrêtez de sombrer. Quoi? C'est des conneries. Ça recommence. Tenez bon. En termes de difficulté? Ah bah génial, super. Je courais après Zen. Et il me disait que j'allais trop loin. C'était ridicule. Mais la peur l'emportait sur le rire. J'avais l'impression d'être freiné par une force invisible et invincible. Oh, mais laissez-nous respirer! Mais putain, aimez. Ah ah! Non mais vraiment. Mais qu'est-ce qu'il branle? Putain mais... Oh là là, il me reste une balle, tout va bien. Si besoin, on a la flair, mais je préfère utiliser la flair contre des ennemis, des gros. Plutôt que des petits sbires. Y'a pas des tools? Non mais moi il me faudra des munes. Rien d'enjoué que ça revient. Le trauma, c'est ça? Ah! Je ne vois pas Barry. Ah, c'est Barry! C'était arrivé avant de trouver Barry. L'air de jeu. Les souvenirs pathétiques de l'enfance de Wake et du petit garçon têtu qui prétendait se moquer de n'avoir jamais connu son père. L'air de jeu se souleva pour tuer Wake. C'est tourniquet et c'est devenant prêt à lui briser le crâne. Bah, il avait l'air d'avoir passé une... Oh putain, mais nique sa mère. Non mais... putain mais... J'en peux plus quoi.
Non mais... Oh les trucs qui t'agressent quand t'es en face. Oh. Ah désolé mais ce soir je suis pas d'humeur de me manger des trucs comme ça dans la gueule. Il fallait que je trouve la clé pour ouvrir la porte. Oh. Oh. J'en veux plus. Elle est où cette... D'accord, mais... Mais pourquoi? Ah bah oui, bah évidemment. Bah on fait comme ça du coup, oui. Ah bah là voilà la clé. Ah mais je vais me le reprendre dans la gueule là. Mais il est sérieux? Par pitié hein. C'est une blague. Genre est-ce que ça s'arrête au bout d'un moment quoi? Burton. Non, c'est un bien meilleur Barry. Ah non. Non, 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 non. Non, mais dis-moi que tu l'ouvres et c'est bon, là. Je suis pas d'humeur pour des vagues d'ennemis. Hop, là, hop, hop. Parce qu'en plus, bon, je l'ai dit que quand on finissait Alan Wake, c'était rebelote Elden Ring. Hein. On y retourne, hein. Ça y est. Il est temps. Mais d'un autre côté... Le monde changeait. Il était hors de contrôle. Il devenait trop grand. Wake ne voyait plus le plafond. Quelque chose bougeait à l'intérieur. Il était perdu. Il ne trouvait pas la sortie. Ah bah Elden Ring c'est moins maso que de se prendre des tonneaux dans la gueule visiblement. Franchement, je passe un meilleur moment. Les changements s'intensifiaient. Est-ce l'endroit qui grandissait? Mais c'est surtout qu'en fait... Ok, y a pas des trucs à l'intérieur intéressants. Ok, y a Blast. Ok, c'est peut-être que ça peut te mettre dans la merde si jamais tu fais pas attention, quoi. J'ai jamais trop compris ces trucs, genre ces pièges, parce que c'est pas vraiment dangereux. Ouais, non, du coup, c'est vraiment utilisé contre... Ok, d'accord. Comprends mieux, man. Meilleur esquive dans Elden Ring, ah bah oui. Meilleure course, meilleur coup que tu veux. Hein. Attends, mais j'en ai un derrière, là? C'est quoi ce bordel? Et du coup, oui, parce que bon, certes, nouvelle console, j'aimerais bien quand même jouer à des jeux, des jeux de New Gen, donc il y a Demon's Souls qui me tente bien. Il y a du coup forcément le remake. Putain, mais... Le remake de Dead Space, aussi. Lies of P, évidemment, donc on est surtout sur finalement pas mal de jeux Souls-like. Et là, surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est un jeu PC qui était en Early Access et qui est enfin sorti en... qui est enfin sorti de l'Early Access en 1.0, là, cette semaine, qui est Lunacid. Oh non, mais c'est pas possible! Mais je vais devenir fou! C'est une putain de blague!
pas m'énerver, hein. Je vous jure, je vais pas m'énerver. Et du coup, Lunacide qui est un... Gros vie. Merci beaucoup pour les 100 boulettes, Vincent. Merci du soutien. Il y en a besoin, là, ce soir. Du coup, je vais y arriver. Lunacide. Qui est du coup un jeu PC en vue FPS Dungeon Crawler et qui est très inspiré des Kingsfield. Une série de jeux des... une des premières séries de jeux des From Software. Avant, du coup, qu'ils fassent Demon's Souls, Dark Souls, avec l'arrivée de Miyazaki dans l'équipe. Putain, évidemment, qu'on recommence d'ici. Putain de bordel de merde. Et du coup, voilà, ouais, il y avait la vidéo d'Edward justement qui présentait Kingsfield, etc. Et du coup, une ambiance de John Crawler et tout, ça me sauce de ouf. Et c'était Stream Tease, du coup, qui avait présenté le jeu quand il était en early access. J'étais en mode putain, c'était trop bien les. Avec des petits graphismes typés, justement, PS1, PS2, ça rend trop bien. Et du coup, j'ai trop hâte de le tester. Et du coup, je serais assez tenté. De tester ça ce week-end. Putain, mais on a failli crever, quoi. Genre, oh. Bon, normalement, j'ai enlevé le CD. J'ai remis le CD, ça devrait pas planter. Merci. Donc voilà, ça me tente pas mal, donc on verra si du coup on fait genre Elden Ring, Lunacide, ou si j'attends un peu, parce que encore une fois... Elden Ring, il faudrait qu'on avance, donc ce serait bien genre de mettre Elden Ring de côté, entre guillemets. Zen m'avait laissé une page, il essayait de m'aider. Et du coup, est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe quand on a ramassé toutes les pages? Mort, mur. Ah bah, ami. Salut! Barry? Hé, le grand écrivain! T'as l'air en forme? Tu n'es pas réel. Tu m'étonnes, comment t'as deviné? C'est parce que je suis transparent? Je sors de ton imagination, comme presque tout oh ce là que là. Tu vois ici. Barry, meilleur perso, ça change pas. Hein. C'est dément. Eh, t'as raison. Tout ce qui s'est passé avant était tout à fait normal. Mais ça, par contre, c'est dément. Bien vu, Al. Bon, ça va. Écoute, je dois y aller. Le GPS... Le GPS, je sais, suivre le signal. J'ai pigé. Meilleur perso. Jamais eu la foi de refaire le jeu. Enfin, je suis là pour t'aider, mon... Parce que je sais pas si genre il y a une autre fin, mais après... Tu dois d'abord t'accrocher. Bon, je vais attendre que les dialogues finissent. T'es aussi pénible que le vrai Barry, tu sais ça? Eh, sois un peu honnête, tu veux? C'est pas de ma faute si tu me trouves ennuyeux. T'es pas ennuyeux. Al, t'es casse-couille, mon grand. T'inquiète, il faut pas que tu lâches le morceau. Fais tout ce que Zen te dira. Il est là depuis des lustres. C'est un vrai pro. Ok. C'est que du coup, c'était le truc que je m'étais dit pendant le jeu, en fait. C'est que juste les pages sont une récompense en soi, quoi. Ça provient de ton esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis, génie? Parce que t'arrives à comprendre pas mal de choses dans le jeu. Oh, allez, raconte pas de babar, Al. Dans le fond, t'es toujours content de me voir. Tu peux pas te mentir à toi-même, tu vois. Je dois aimer les punitions. Toi? Vraiment? Et moi qui croyais que tu faisais toujours tout pour éviter les ennuis. Merci. Parce que ça donne tellement de petits indices sur ce qui se passe et tout, un peu de profondeur dans les personnages, que juste toujours trouver toutes les pages, j'étais juste content d'avoir tout en fait.
Je crois que le signal mène vers cette chose au loin. Ouais. Puis en plus, genre, c'est pas un truc qui dure 20 plombes. Comment tu sais ça? Et bah, t'as le personnage qui parle en même temps, donc qui rajoute un peu du truc en plus. Ah non, je l'ai pas écouté. Que tu as vu un panneau dans la réalité? Ou peut-être que c'est la Syrie, parce que je... Oh là là! Hé, hey Al! La plume est plus forte! Si tu termines cette phrase, t'es viré. Plus forte que l'épée? T'es viré. C'est... Oh! Paf! Je dois aimer les punitions. Parce que du coup, c'est ça le truc. Hein. Alan Wake est encore coincé au fond du lac, entre guillemets, sous l'emprise de l'ombre noire, de ce que j'ai compris. Hein. Oh là. Ok, on se casse. Et ça y est, il est essoufflé, putain de merde. Il y a un réveil. Voilà, mais mets 20 ans à te baisser, surtout. Arrière, suppôt de Satan. Ah non, mais des possédés, ça va aller. Oh, flagon. Putain, mais... Bienvenue dans le cercle suivant. Bon, encore là, ça va. Oh, oh. Mais que quoi? Putain, mais je vais essayer de pas crier, mais... Putain, et tu recommences de là, quoi. Oh, mais cette putain de blague! Il les sentait approcher. Il n'était plus fait de chair, mais d'ombre, de spectre et de pensée. Mais attends, y avait pas un boom là? Non mais. Mais. Putain, mais tu prends... Quoi? Oh là là, c'est pas marrant. Et putain, mais... Oh, ah, les contrôles qui réagissent pas, mais alors ça... Oh. Ah, mais des fois, t'as la... Mais putain, mais... Des fois, t'as l'impression qu'il fait sa vie, Alan. C'est terrible. Ah oui, non mais prends-toi des dégâts dans la gueule aussi, c'est parfait. Putain.
Mais... Alors tu peux peut-être pas courir si elle est allumée. Oh là là, qu'est-ce que ça me casse les couilles. Mais à un point. Je suis vraiment pas d'humeur pour refaire des passages comme ça en boucle. Alors qu'en plus on était super bien parti là. Ah bah c'est bon, on est mort. Ah, bah visiblement non. On s'est pris une barre de vie, hein, direct. Ah mais il y a le shotgun. Fallait le dire. Voilà, hein, vas-y. Non mais surtout, prends ton temps. Non mais... Tu te prends deux slash. Mais... Non, pas forcément mauvaise journée, mais je suis un peu fatigué. Et en vrai, ça va, tu vois, mais c'est juste refaire un truc en boucle. Là, non, là, c'est bon. Pas d'humeur pour des faces comme ça, quoi. Non, mais... Et surtout de se prendre des coups aussi gratos, putain, et au bout d'un moment ça va 5 minutes. Le shotgun. Il est parti où? C'est une blague! Putain mais... Je jure que je vais pas m'énerver hein. Il est où? Parce que là c'est juste le jeu qui veut me faire passer un mauvais moment. Cette fois, j'ai jamais envie d'en faire le jeu. Et il a vraiment des passages frustrants pour rien, c'est... Genre vraiment, il y a des passages avec des tonneaux quand tu regarderas les VOD, mais c'est juste... Genre pourquoi, quoi? C'est bon? Genre on peut éviter de faire nos clips le shotgun, s'il vous plaît? Mais tu te fais enchaîner, t'as même pas le temps de réagir. Genre, please. Putain, mais... Non, mais... Oh, putain. Bah, le chemin voulu par les devs, je les emmerde. Mais... Mais putain, mais... Ouais, non, mais je pense que faire comme on a... Non, mais... Oh là là... Je pense que oui, ouais. Tracer, n'en avoir rien à foutre. Ça a fonctionné au début. Faut juste qu'on prenne le shotgun. Oh là là, mais putain, mais...
Mais ramasse-le! Oh! C'est pas possible! Putain, mais. Mais tu te fais enculer, quoi! Ils te mettent 3 barres dans la gueule! Allez, tu peux le faire, vas-y! Eh ben non, du coup. Putain, toujours pas. Non. Mais putain, mais allez vous faire foutre! On voulait jouer à ça, on va jouer à ça, pas de problème, il est où le suivant là? Oh putain de merde! Allez! Bah non, bah ne... Mais t'as même pas le temps de réagir, tu te fais gank quand tu ramasses des objets, quoi! Genre les gars, on n'est pas dans un jeunesse, quoi, c'est bon! Le game design, vous connaissez! Allume le putain de fer, je t'en supplie. Tourette. Mais tu te fais quand même toucher! Oh, j'y pep quoi. Tu vois rien! Vous pouvez être un petit peu plus relou, s'il vous plaît. Alors que ces mécaniques de mots, etc. sont sympas, mais... Et merde.
Putain, le jeu qui te troll. Oh. Ça va bien se passer. Restons calmes. Ah, tu vois, c'est comme ça que ça devrait être. Je donne les conseils et toi, tu suis. C'est comme ça que ça marche. C'est quand tu fais les choses tout seul que les problèmes commencent. Putain, j'ai eu trop peur. J'ai cru qu'il était tombé dans le vide, cette espèce de croc. Tu restes calme. C'est pas moi. Donne-moi la lumière. Je me résister à un peu séminé. Graphie lumineuse, vraiment déchirante, signé LM à la masse. Le stagiaire au Bright Falls Record. Donc du coup les gens genre sont coincés ici et deviennent auteurs. Ah bah oui, c'est vrai. Fallait pas interagir avec. C'est moi ou les balles de revolver sont... Non, ça va, merci. Tout va bien. J'avais vu d'étranges transmissions de moi-même. Pas comme ça. Cette version de moi-même avait l'air démente. Je cherchais à la tuer et à détruire. Bah. Ah putain, ça c'est rigolo. Ok, ça c'est marrant ça. Ok, c'est marrant, c'est marrant. Il faut faire un peu plus gaffe. C'est les mauvais mots. Ça craint. Ok, 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 sympa, sympa. Non, on va éviter d'utiliser des trucs comme boom, etc. Merde! Oh putain, et toi? T'écraserais à mon retour. Alan Wake l'auteur versus Alan Wake le personnage. Énorme mindfuck. Non mais c'est pour ça, je trouve ça très très bien dosé, c'est très malin. C'est bien écrit, franchement. Et genre franchement, même tu vois les pages que tu trouves, en termes d'écriture et tout, vraiment j'étais en mode des fois, putain mais ça pourrait être un petit roman de Stephen King et tout, ça marcherait quoi. Genre c'est bien écrit. C'est trop bizarre. Marie, tout ça vient vraiment de mon esprit. Tout va bien dans la tête d'Alan, bah je pense, ouais. Garde. Ah merde, pardon. Faut se dépêcher un peu, d'accord. Ok, ça c'est sympa. C'est pas juste des phases de shoot chiantes et répétitives. Là, il y a des idées. Putain, par contre, si c'était pas un putain... D'accord, donc tu te fais quand même défoncer. C'était une grenade, c'était pas une flare. Poupou. Ah voilà, on peut dire qu'on est dans un désert créatif, oui. Bon, c'est vrai qu'à des moments, ça me fait penser à du Devil Within. C'est des petites représentations et tout. Bon, ce qui est cohérent, parce que ça reste dans l'espèce de voyage intérieur, etc. Vraiment que je refasse Devil Within. Pas le 2, par contre. Parce que s'il pouvait réellement courir... Ce serait déjà un peu plus agréable. T'es trop bizarre. Paris, tout ça vient vraiment de mon esprit.
C'est comme ça ici, Al. Tout ça, c'est dans ta tête. Ton imagination n'est pas toujours ton ami. Mais Alan, mais cours ! Oh ! J'en peux plus de cette démarche d'asthmatique. Allez ! Putain, je suis perdu. Ah ah, chais ! Ça y est, c'est plus courir. Hein. Il a fait 3 poulets, c'est terminé. Putain, l'auteur pour un athlète, le sport, il connaît pas. Mais clairement, hein, quand tu joues, tu dis, ouais, bah, tu vois qu'il a passé sa vie derrière un bureau. Oh là là, une red box. C'est par là le chemin. Si c'est moi qui invente tout ça, pourquoi c'est si compliqué? Je confirme. Parce que t'es un type compliqué et que personne te ferme. Mais je parlais. Je sais que t'en as pas mal qui se foutaient un peu de la gueule de Alan Wake et t'es en mode putain, mais il a quand même d'autres tensions. Parce que genre typiquement dans l'histoire. Du coup on peut avoir une autre voiture. D'accord, D'accord, fallait juste faire ça. Et oui, du coup, Alan Wake était quand même pas un auteur très très malin. Vu que finalement, il avait juste à... juste écrire une histoire du coup beaucoup plus simple. Et puis genre, du coup, il écrit qui. Ah putain. Allez, on va se faire enculer, c'est parti. Mais qu'est-ce qui... Pourquoi il descend ? Mais tu te fous de ma gueule ? Oh, le son. C'est normal ou la PS5 est en train de crever hein? J'ai pas appuyé sur le bouton. J'ai pas activé la putain de porte. Ok, d'accord, donc il descend de la bagnole. Qu'est-ce que je fais? Mais... Putain. Putain, Barry, je t'aime bien, mais ferme ta gueule. Qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Il a perdu le contrôle de son histoire qui se déroule dans sans son intervention. Bah il y a aussi le fait qu'il le dit au début que bah l'histoire il faut qu'on y croit quoi. Du coup il faut du rebondissement, il faut du suspense. Ah c'est insupportable. Qu'est-ce qui se passe? Mais le genou, il devient fou, quoi. Mais pardon.
Mais même le jeu, quoi, il en peut plus. Ah si, quand le véhicule est dead, il descend tout seul. Pour te dire à quel point la conduite en véhicule est maîtrisée. Genre je fais quoi là? Ils m'ont bloqué contre un mur. Oh là là. Non mais même plein phare, ils ont trop de vie pour que ça change quoi que ce soit. Tout ce que t'as à faire, c'est ça, quoi, c'est tout. Et t'as ça en comité d'accueil. Putain. Eh mais respirez, quoi. Il n'y a aucune raison que ce soit aussi vénère. Un, c'est une carabine, j'imagine. Qu'on va pas prendre. Je voulais pas qu'on finisse leur jeu. Ah bah là, c'est vraiment le parcours du combattant pour que Alan Wake sorte de là. Hein. Je croyais que c'était mon côté du lit. Mais ton côté, c'est mon côté. Tout le lit, c'est mon côté. Ok. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. J'en ai marre, toi. Ah oui, clairement, oui. Oh putain, c'était beau ça. Ça fait plaisir. Écoute, tu prends, c'est ta femme qui te vire du pieu. Tu prends tout le côté. C'est quoi là-bas? Là-bas, c'est des flares. Au moins, on a la super lampe torche. Ok, ça, c'est bien fait aussi. Ça, c'est mal fait, du coup. Salut Pain de Mie. Comment ça va? Ouf. Oh là là. Un peu frustrant hein, ce contenu supplémentaire là. Mais là ça commence à aller mieux là. Le début était dur. C'est un peu compliqué, je suis un peu fatigué. Du coup je m'attendais pas forcément à me prendre des trucs aussi pénibles dans la gueule. Mais là ça va mieux. Je vais pas continuer très tard, je pense. On va continuer encore une vingtaine de minutes. Ok, c'était vraiment génial. J'ai adoré utiliser ma tête pour me battre. Ok,
Qu'est-ce que je me prends dans la gueule? Qu'est-ce que je me prends dans la gueule, putain? Putain, c'est pas des raptors au bout d'un moment, quoi. C'est pas forcément le meilleur soir pour le DLC d'Alan Wake. Hein. Enfin le DLC, l'épilogue plutôt. Ce qu'il était dans le jeu de base, c'est ces épisodes bonus justement. Du coup c'est trop bizarre qu'il l'appelle bonus. Au lieu d'appeler ça justement épilogue... Oh là là, le système de visée. Hein. Je vais rester calme, mais putain, j'en pense pas moins. Ah, par contre, cette musique, j'aime beaucoup. Voilà, allez hop, ça c'est bon, c'est fait. On dégage les poubelles ce soir. J'ai plutôt bien géré la partie voiture, MDR. C'était un plaisir cette partie voiture. Mais putain, mais... Ah oui, d'accord, donc en fait, c'était vraiment en mode, tu vas en prendre plein la gueule, t'inquiète. C'est bon ? On peut discuter tranquillement ? Et du coup, plein de mythes, t'avais fait, toi, ces épisodes épilogues. Allez, pousse-toi du lit, là, tu prends toute la couette. Ils nous attendent en bas. On n'a pas le temps. Alan. Oh, Alan, ce petit coquin, là. Mais ça m'atteignait quand même. J'avais sauvé Alice. Mais j'ignorais depuis quand exactement. Ah, t'as jamais touché au jeu. Pardon. Bah franchement, si t'as l'occasion... Là on mange nos morts, mais... Alice Wake. La beauté au physique de Muse qui a peur du noir, l'oasis de paix en période de crise. Au livre de cette photographe réputée récompensée fourmille de détails et d'images personnelles, derrière laquelle on devine le spectacle de son mari absent. La Muse de l'écrivain. Et oui, c'est vrai que du coup c'est une photographe. Mais du coup c'est étonnant que... parce que c'est une artiste. C'est étonnant que bon c'était pas aussi fou que... Qu'Alan, donc c'était peut-être pas intéressant pour l'ombre noire de prendre une photographe. Cette musique, je l'aime beaucoup. Je trouve que dans l'ambiance, ça fonctionne très bien. Ah ah! T'as eu peur, hein? J'ai pris tellement cher. Le choc des photos, mais surtout le poids des mots. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Putain, j'ai cru que c'était les rouleaux de papier toilette. Hé, hey, chérie, viens ici. J'ai quelque chose pour toi. Et hop, j'espérais j'ai pris tourner. Ça allait bien. J'ignorais ce qui lui était arrivé depuis sa sortie de l'antre noir. Elle a pris une photo. C'est vous ? Ouah ! C'est... Non mais vraiment, hein. J'ai vraiment cette impression que le jeu
Il a pas envie qu'on joue. C'est dingue. Genre, tu meurs d'une chute, d'un chemin où t'es obligé de descendre. Ce qui lui était arrivé depuis sa sortie de l'antre noir. Allô ? Sen ? C'est vous ? Genre juste parce que je suis pas tombé sur la table, quoi. Et tu te prends quand même la moitié de ta vie. Mais putain, mais... C'était parfait. Comme ça ? Oui, mais souris un peu plus. Non, là c'est trop. Tu dois avoir l'air mystérieux. Voir un peu dur. Tu sais combien les gens adorent les types un peu dangereux. Et le jeu est vraiment pas pensé pour des couloirs exigus, quoi. Oh, allez, tu passes. Et nous voilà à la maison. Ah mais c'est le scalophondrier, c'est Thomas Zane. Pardon, j'étais en train de me dire, mais attends, c'est quoi ce bruit hein? C'est enfin l'asthme d'Alan qui se réveille? Mais non, c'est Thomas Zane qui débarque. Alan, vous avez réussi. Cette partie de l'antre noir est plus calme pour l'instant. Nous pouvons parler, mais le temps presse. Comme les citrons? Comment je fais pour sortir d'ici? C'est ce que vous affrontez. C'est vous-même, maintenant. Les ténèbres, elles arrivent. Elle l'a englouti, perdu. Il le savait. Il le savait. Il n'en pouvait plus. Il savait qu'il n'y avait pas d'issue. Non, bah oui, la seule explication, c'est qu'Alan Wake, c'est un maso, quoi. Je sais pas, un écho, une hallucination, l'ombre noire. L'ombre noire n'est pas la cause de tout cela. C'est vous. Vous êtes prisonnier de vos propres causes. S'il pourrait juste dire, bon, bah maintenant, Alan Wake, il traverse un pont avec plein de cœurs et des jolis nuages. Wake ne comprenait pas. Mais non, c'est pas ça. Non mais sinon, une thérapie, Alan, c'est pas si cher que ça pour un écrivain. Tais-toi ! N'essayez pas de régler votre téléviseur. Bienvenue dans la zone X. Wake sentait la pression, dévorait son esprit. Les ténèbres n'étaient pas si affreuses, elles étaient en lui, il le sentait. Pardon, il faut que je fasse quelque chose ou... Il était simplement trop difficile de réfléchir. Il ne parvenait pas à comprendre. Il ne pouvait pas. Il voulait arrêter de penser et se laisser aller. Juste se laisser aller. Encore une fois, vraiment, moi ce qui me fait le plus rire, c'est que j'ai vraiment l'impression de jouer à The Last of Us en bien, quoi. Ah oui, d'accord, pardon. Ah oui, bah vas-y, je t'en prie. Ah bon, on est mort. Mais j'étais pas été abandonné par mon seul allié. Ça va au bout d'un moment? C'est quoi? Mais... Après, forcément, c'est pas le meilleur moment pour illustrer mon propos. Mais en termes de connexion, du coup, on va dire cinéma, jeu vidéo, c'est tellement plus logique. C'est quoi ce putain de bordel? Tiens, attrape. T'arrives à comprendre ce qui se passe? Bah plutôt, ouais, mais après, c'est peut-être pas forcément ce qui se passe, mais dans l'idée, en fait, c'est... à la fin du jeu, Alan, du coup, était toujours coincé avec l'ombre noire, on va dire, au fond du lac, entre guillemets.
Mais en faisant ça, du coup, il a échangé sa place avec sa femme. Du coup, sa femme s'est libérée, on l'a vu. En tout cas, elle est sortie du lac. Et ensuite, on a vu, du coup, une espèce de Bright Falls, mais pas vraiment Bright Falls. Une espèce de Bright Falls pas alternatif, mais peut-être cauchemardesque ou purgatoire. Et du coup, c'est là qu'il y a Alan Wake, celui-là. Le Alan Wake, on va dire, personnage. Et le Alan Wake auteur, il est coincé, en fait, à écrire une histoire pour faire en sorte que Alan Wake personnage s'échappe et que, du coup, Alan Wake aussi s'échappe aussi. Et bon, visiblement, là, Alan Wake devenu fou. Et au lieu de faire en sorte que ce soit simple, il lui fait galérer ses grands morts. Ah mais non, je peux pas utiliser ça. Ah ouais, non, mais toujours plus aussi. Vous voulez pas envoyer des possédés aussi en même temps, non? Ça va? Non mais... T'en as combien des corbeaux, là? Et en gros, j'en suis là. Du coup, Alan Wake, auteur, continue à écrire une histoire. Complètement con, non, franchement, moi, je trouve ça plutôt bien écrit. C'est dans ma tête. Détends-toi, Alan. Ah, Alan. C'est dans votre tête. Vous avez tout il a quelques petits soucis, ouais. Il a pas toutes les lumières à tous les étages. Allons, c'est du délire. Laisse-moi passer par cette fenêtre et devenir une caméra libre. Et là, du coup, on est dans la pièce justement d'écriture. Oh. On a réussi. Ouh. Voilà, mais ça répond à aucune question. Impressionnant, non? À suivre. Et bah du coup, bah on a fini l'épisode bonus 1. Voilà, du spécial feature. Et du coup, il y a le bonus 2. Mais on le fera pas ce soir parce qu'il est un peu tard. Au moins. Donc on le fera certainement demain soir, en vrai. Partant pour faire ça demain soir, et à ce moment-là, je vois si on s'installe pas Lunacid pour le lancer demain. Parce que si je me lance dans Elden Ring, je préférais faire uniquement du Elden Ring dans la soirée, et peut-être plutôt commencer ça genre la semaine prochaine, comme ça ce week-end, on se fait un petit truc posé. En tout cas, des bisous YouTube, c'est la fin du bonus, à bientôt pour le bonus 2.